C'est la deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la santé bucco-dentaire. Le programme national chargé de la promotion de la santé bucco-dentaire a initié à l'occasion une séance de dépistage pour sensibiliser les populations. Nous voulons encourager les Ivoiriens à fréquenter régulièrement les cabinets dentaires, même pour des contrôles de routine. La douleur ne doit plus être le seul motif de consultation au cabinet dentaire. En un an d'activité, seulement 443 consultations bucco-dentaires ont été enregistrées dans les établissements sanitaires. Un chiffre qui montre combien la majorité de la population néglige l'hygiène bucco-dentaire. Les maladies sont multiples, mais généralement, on a deux grandes sortes de maladies. Maladies de la dent elle-même, ce sont les caries. Mal brossé aussi, la dent peut être sujet à une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. Les bénéficiaires de ce dépistage gratuit saluent l'initiative. Je demande au ministère de la Santé de le faire souvent. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui souffrent, qui n'arrivent pas à venir. Je prends le cas d'une vieille femme qui est venue ici. Elle n'a pas d'argent. Aujourd'hui, ils ont dit non, que c'était gratuit. Et elle est venue. Ce dépistage gratuit de maladies bucco-dentaires a été possible grâce au soutien de la Fédération dentaire internationale.